Bonjour et bienvenue à cette présentation de pâte fraîche faite à la main. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite démonstration culinaire très simple, tout simplement des pâtes fraîches faites à la main, à l'ancienne, donc avec le nid et les œufs. Alors pour ça, nous allons avoir besoin tout simplement d'ingrédients très simples. Alors on a de la farine tout usage, nous avons une farine de semoule, des œufs entiers, un petit peu d'huile d'olive et du sel. Alors, nous allons mélanger tout ça dans le cul de poule. On commence avec nos deux farines, donc farine tout usage et farine de semoule. Nous allons incorporer également le sel. On va mélanger tout ça légèrement avec une fourchette, juste pour être sûr que le sel est bien incorporé à travers les deux farines et que les deux farines sont bien mélangées. Et ensuite de ça, on va faire un nid sur notre table. Alors, un beau nid pour être sûr que nos œufs vont rester à l'intérieur. Donc, on s'assure d'avoir un beau nid rond dans lequel on va pouvoir incorporer nos œufs. On les incorpore doucement. On s'assure que nos œufs ne quittent pas le nid. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer tranquillement la farine à l'intérieur des œufs. Est-ce que j'aurais pu tout mélanger d'avance? Ben, essentiellement, non, c'est mieux de ne pas le faire parce que de cette façon-là, on va s'assurer de bien intégrer toute la farine tranquillement. Et on va mélanger comme ça jusqu'à temps qu'on obtienne une espèce de pâte rustique qui ne se tient pas, qui se défait un peu. Et là, on va finir d'incorporer la farine avec la corne, comme ça. Et ensuite, on se débarrasse de la corne et on commence à pétrir avec nos mains. Alors, l'étape de pétrissage est vraiment très importante car c'est là qu'on va obtenir l'élasticité de notre pâte et qu'on va s'assurer de retirer l'air et que les farines se mélangent bien et que tout devienne un beau mélange homogène. Alors, la façon de pétrir, on fait une boule et on la pousse vers l'avant sur la table et on refait une boule et on repousse vers l'avant sur la table pour s'assurer comme ça de bien pétrir notre pâte et de finalement arriver au bout de notre 5 minutes de pétrissage avec une boule qui va avoir une pâte qui a une belle élasticité, qui a également une belle homogénéité. Donc, une belle boule de pâte. Alors ici, c'est ce que ça donne une fois que c'est terminé. Vous avez ici 4 boules de pâte, la boule de pâte naturelle ici que j'ai dans mes mains. Et vous avez à côté 3 autres pâtes différentes qui, elles, ont été aromatisées. Donc, aujourd'hui, on va utiliser la boule de pâte au piment ajillo, car j'essaie d'être conséquent dans les démonstrations. Et étant donné qu'on avait la démonstration de birria, mais vous allez avoir à utiliser la pâte de piment pour faire votre pâte à ravioli avec la pâte de piment. Et les autres pâtes, vous avez une pâte qui est à la betterave et une autre qui est à l'angle de sèche qui serviront pour autre chose. Donc, la pâte au piment, on a tout simplement incorporé dans notre pâte fraîche de la purée de piment. Et cette pâte fraîche-là sera farcie avec, vous vous rappelez, la démonstration de ricotta fraîche. Alors, on va avoir un mélange de fromage pimiento à la ricotta fraîche, avec également la viande de notre birria de tout à l'heure. Et ainsi, nous allons avoir des beaux raviolis rouges au birria. Très important de bien emballer les pâtes si on ne les utilise pas, car elles vont sécher. Et également, tenir prêt peut-être un petit vaporisateur pour avoir de l'eau fraîche, pour s'assurer que la pâte ne sèche pas pendant qu'on la travaille. Alors, on met de la farine sur le plan de travail pour s'assurer que notre pâte n'adhérera pas sur le plan de travail. Et là, on va commencer par la façonner et la rouler avec un bon vieux rouleau à pâte, tranquillement. On ne la roulera pas de façon excessive, parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est obtenir un pâton qui va avoir à peu près la largeur de notre rouleau à pâte, notre machine à pâte, qui est fixée ici sur notre malaxeur. Alors, comme vous voyez, ce qu'on veut, c'est que ça rentre dedans et qu'on puisse avoir la bonne épaisseur. On va commencer à l'épaisseur la plus large, évidemment. Et là, on va passer notre pâton dans notre machine pour arriver avec une belle pâte. Et truc important, c'est de replier la pâte comme ça deux fois sur elle-même et de la repasser dans la machine du côté où elle n'a pas été pliée.
Ça va permettre justement d'éliminer tout l'air qui pourrait se trouver à l'intérieur de la pâte et s'assurer d'avoir une belle pâte qui va être flexible. Vous voyez ici, là, on a une pâte qui ressemble un peu à du cuir, là, qui a une belle élasticité puis qui est agréable en main. Alors, on va la repasser une couple de fois comme ça dans la machine pour s'assurer qu'on a une pâte homogène et on va réduire l'épaisseur jusqu'à arriver avec cette belle grande feuille que vous voyez ici qui a une belle élasticité. Alors, on refarine notre plan de travail pour s'assurer que rien ne va coller pour pouvoir mettre cette grande pâte-là qui va servir de base à nos raviolis. Alors, on étend ça comme il faut, on met ça bien à plat sur la table. On vaporise un petit peu avec une bruine d'eau, juste pour dire qu'on s'assure que notre pâte ne séchera pas et qu'on va être capable de bien coller ça par la suite. Alors là, évidemment, comme je vous mentionnais, on a réutilisé notre viande braisée de la birria. On a réutilisé notre fromage pimiento de la ricotta légère. Et ensuite de ça, on va mélanger ça ensemble pour faire un appareil qui servira d'appareil à ravioli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à la poche, à décorer, et on fait des petits pâtons comme ça, des choux de préparation que l'on va aller incorporer, qu'on va aller mettre sur la pâte. Comme vous pouvez voir, vous voyez la viande à l'intérieur, là, c'est très, très, très beau, belle préparation. Alors, on met ça avec un espacement à peu près équivalent à notre emporte-pièce. On va se faire des beaux petits pâtons comme ça tout au long de la pâte qui a été étalée. Et comme ça va nous permettre justement d'avoir des beaux raviolis. Évidemment, il va rester de la pâte quand on va avoir coupé ça, mais inquiétez-vous pas, la pâte peut être repassée à la machine et refaire une belle languette comme ça à volonté jusqu'à ce qu'on ait passé toute la pâte. Alors, une fois que c'est fait, on replie tout ça ensemble et on va venir pincer autour de l'endroit où se trouvent nos petits capuchons de garniture. Et ça va venir délimiter nos raviolis. Ensuite de ça, on va couper avec notre emporte-pièce et c'est ça qui va venir sceller notre ravioli. Donc, on s'assure de bien couper. On va les faire cuire. La cuisson, c'est très rapide. On parle d'un 3 minutes. Lorsque le ravioli flotte à la surface, il est prêt. Alors, une fois que les raviolis sont cuits, on va les mettre dans un bol et là, on va utiliser notre bouillon de birria, justement, comme bouillon de pâte qu'on va aller mettre dedans. J'aurais pu également cuire les raviolis dans le bouillon de birria, ce qui aurait donné une saveur extraordinaire également. Alors, on met le bouillon dans notre plat et on va aller ajouter ensuite de ça nos raviolis cuits, un par un, pour faire une belle présentation. On va les déposer doucement. Travaillez doucement les raviolis maison car c'est beaucoup plus fragile. On va ensuite de ça les garnir avec un peu de fromage cotillas, qui est le parmesan mexicain. Alors, un peu de fromage comme ça. On ajoute encore une fois du coriandre frais pour le côté floral et très frais. On termine avec une julienne de tortilla de farine frite qui nous donne ici un super beau plat. Alors voilà pour les pâtes fraîches. N'hésitez pas à revenir pour les autres présentations et je vous remercie.